Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais pratiquer la pêche de la carpe au pain en surface. C'est une pêche vraiment très simple à la portée de tous. Pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Pour cette pêche, je vous conseille d'utiliser un hameçon à carpe numéro 6. C'est un hameçon sans ardillon qui convient bien pour ce type de pêche. J'utilise un montage vraiment très simple. Je monte directement mon hameçon sur le corps de ligne. Ici du 25 centième. J'utilise ni plomb ni bouchon. Si vous souhaitez lancer plus loin, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser une bulle d'eau. Comme ça, vous pouvez lancer à des distances comprises entre 15 et 20 mètres. C'est une pêche vraiment très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Un simple hameçon monté sur une canne et un moulinet. Avant de commencer à pêcher, vous pouvez amorcer en lançant quelques morceaux de pain pour faire venir le poisson. Pour les morceaux de pain, je vous conseille d'utiliser des morceaux entre 3 et 4 cm. Pas la peine de prendre du trop dur, sinon vous n'arriverez pas à piquer l'hameçon. Et au contraire, pas la peine de prendre trop mou, car sinon il va se disloquer dès que vous allez le lancer dans l'eau. Pour l'attacher après votre hameçon, vous plantez directement dans la croûte. Vous faites plusieurs passages tout en piquant dans la croûte. Comme ça, votre morceau de pain sera renforcé et les gardons le décrocheront moins facilement. Vous laissez l'hameçon ressortir par en dessous, comme ça, quand la carpe va monter pour gober, elle va se piquer directement. Pour envoyer votre pain un peu plus loin, il suffit de le tremper quelques secondes dans l'eau. Comme ça, il sera un petit peu plus lourd, ce qui vous permettra d'envoyer plus loin. Regarde. Non, elle l'a pas emmené encore. Hop. Ouais, ça a l'air joli. Commence à la voir. Voilà. Oh non, c'est une miroir, une carpe miroir. Et y en a. Allez, même mer.
Et à la mémère. Un joli poisson. Voilà. Il y en a une qui vient. Elle a pas pris le morceau de pain encore. Voilà, hop. Qu'elle sorte des nénuphars. Voilà. Pas qu'elle y rentre dans les nénuphars. Sinon, ça risque de poser quelques problèmes. Voilà. Qu'elle sorte de là. Ah, dès que vous pêchez à côté des nénuphars, il faut vite changer de zone. Pas que le poisson aille dedans. Là, j'essaye une nouvelle canne. C'est une 10-30 grammes, une canne pour la pêche du carnassier. J'utilise une micro-tresse avec un bas de ligne en nylon. Vous voyez, du matériel à brocher suffit largement pour ce genre de pêche. Là, une canne de 10-30 grammes, le même grammage que celle que j'ai utilisée hier. Travaillez le poisson tout doucement, vous voyez, laissez le frein, régler le frein bien fluide. Comme ça, il n'y a pas de risque de casse, même quand vous pêchez sur du léger. Encore une carpe miroir, je vais la mettre dans l'épuisette. Voyez, encore un poisson sympa. Même pour cette pêche, je vous conseille d'utiliser un petit tapis de réception. Comme ça, le poisson, vous pouvez le manipuler sans aucun danger et vous risquez pas de l'abîmer. Hop, allez, ma mère, tu peux y aller. Voilà.